Hola, hola! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Veuillez ne pas trop regarder ma tête, parce que là en fait juste après, je vais à la plage. J'ai mon maillot de bain juste en dessous. Mais je voulais à tout prix vous filmer mes derniers petits achats en fait que j'avais fait, dont certaines soldes qui sont super intéressantes et que je pense qu'il faut aller choper très rapidement si je voulais profiter des meilleures choses. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse ça. Donc je suis allée au solde hier. Donc hier c'était le premier jour des soldes. Et donc je vous filme ça aujourd'hui. Alors on va commencer avec ça. Donc c'est les seuls produits de beauté que j'ai achetés. Donc j'ai pas acheté de maquillage, j'ai acheté uniquement des soins. Alors tout d'abord, j'ai trouvé, avant que je vous présente les produits, je veux dire que je trouvais que Sephora avait soldé plein de choses. Franchement, ça, je crois que c'est une des années qui vaut le plus le coup. Ils ont soldé plein de produits. Too Faced, Kat Von D, Anastasia Beverly Hills. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, ils ont fait plein de choses à des prix super. À de bons prix en plus. Et il y avait plein de produits. Il y avait genre des palettes Anastasia avec des blushs, du contouring et tout. Franchement, je veux dire, pour les personnes qui sont intéressées, qui se posent des questions depuis un moment, franchement, ça vaut le coup. Kat Von D, ils vendaient des rouges à lèvres liquides en solde. Enfin, franchement, il y avait pas mal de choses. Les produits cliniques PepStart, qu'on entend beaucoup parler, pareil, soldés. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille d'aller faire un petit tour chez Sephora. Moi, pour ma part, voilà, j'ai craqué pour ça. Donc, c'est le coffret Glam Glow. Comment vous dire que ça fait à Noël? À Noël, en fait, ils avaient fait un petit coffret pareil qui s'est vendu en solde. Sauf qu'impossible de trouver les parties en 2-2. Pourtant, j'étais allée le deuxième jour des soldes, je trouvais. Et là, par hasard, le dernier qui restait. Comment vous dire que j'ai pas trop réfléchi. Donc, il était en solde à 24,50 € au lieu de 35 €. Dedans, en fait, vous avez presque tous leurs petits masques. Ouais, tous leurs masques, en fait. En format mini, donc en fait tous ceux-là ils sont en 10 ml, donc c'est comme ça, c'est pas très gros. Hein. Et celui-là il est en 20 ml, mais je trouvais ça super bien en fait pour pouvoir tester les produits Glam Glow qui me font de l'œil depuis X années, mais ça vaut quand même assez cher. Donc je me dis qu'au moins je pourrais tous les tester, voir si ça me plaît et pouvoir peut-être du coup par la suite racheter ceux qui m'ont vraiment convaincu. Mais franchement, je trouve que pour 25 € ça valait vachement. Voilà. Ensuite. J'en ai profité pour acheter des masques visage en tissu de chez Sephora. Alors, ces masques-là, ils sont bien, mais moi je les trouve plutôt chers parce que c'est en une utilisation 4 €. Moi, je trouve ça plutôt cher. Dans ces cas-là, vaut mieux investir lui dans un pot où ça sera plus gratifiant. Mais vu que c'est en pro, je me suis dit que je pouvais les retester. Je les trouve pas exceptionnels, mais il y a un petit effet sur la peau. Voilà, c'est sympa. C'est surtout pour les dimanches cocooning. Moi, je sais que j'adore me faire des petits masques et pour changer un peu de mon masque d'argile. Donc j'ai testé celui-ci, donc c'est le purifiant détoxifiant aux algues, je crois que je l'ai jamais testé celui-là. Et il était à 2 €, donc j'en ai profité. Ensuite j'ai acheté deux petites choses, donc c'est deux vernis de chez Sephora. Mes vernis commencent à vieillir et donc je me suis dit qu'il était vraiment temps que j'essaie de m'en racheter quelques-uns. Et donc du coup j'ai opté pour ces deux-là, donc c'est un espèce de bleu. Qui tire un peu vers un espèce de menthe, bon ça reste un bleu, hein. Et un beau rose, et ça à l'été, je sais que c'est deux basiques que je vais mettre tout le temps, que ce soit sur les pieds, sur les mains, partout, tout le temps. L'été, je mets que ces deux couleurs quasiment, et ils étaient à 1 € chacun, donc comment dire que pareil, ça je l'ai pris et je l'ai mis dans mon panier. Donc voilà, c'est tout pour ces fonds, c'est pas mal, voilà. Après, moi j'avais rien besoin niveau maquillage, donc j'ai rien pris. Je suis allée chez NYX. NYX, ça vaut le coup pour les lèvres. Il y a beaucoup de soft lingerie qui sont en promo. Après, les vrais produits phares, j'ai regardé les produits sourcils, il n'y avait rien qui était en promo. Des poudres pour le teint, vraiment bien, il n'y avait rien. Leur correcteur, enfin, tous les produits vraiment phares de la marque, les NYX lingerie, pareil, pas en promo. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis, hein, ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Je m'en achèterai plus tard. J'ai autre chose à acheter. Le autre chose en question, c'est chez New Look. Alors, pendant ces soldes, en fait, moi j'avais vraiment des choses que je voulais acheter. Et vu que je vais partir en vacances cet été, je me suis dit qu'on n'allait pas trop dépenser tous les sous que j'avais gagnés en travaillant cet été. Donc, du coup, je me suis résolue à certaines choses que j'avais vraiment besoin. Pour le coup, j'avais besoin d'une paire de talons.
des talons avec, vous savez, des pas très hauts et avec un talon carré en fait, que je puisse porter des talons toute une soirée quoi. Parce que les talons aiguilles, j'adore ça, c'est très joli, mais je les porte pas plus de 3-4 heures dans une soirée pour danser. C'est pas terrible encore une fois. Donc je me suis dit que ça serait sympa en plus pour cet été là, les soirées en sandalettes et tout. Et j'ai trouvé celle-ci. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve tellement belles. Donc elles sont comme ça. Déjà le devant, je trouve ça magnifique. Et elles sont tellement confortables. C'est un truc de fou quand elles sont confortables. Donc voilà. Et je les ai payées 19 euros au lieu de 33 euros. Donc comment vous dire, quand j'ai vu moins d'un euro une paire de chaussures comme ça, j'ai fait on prend. Il y a plein de chaussures chez New Look en promo. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour. Elles sont vraiment pas chères. Il y en avait plein d'autres. Vraiment très jolies. Pour plein de tailles, moi je fais du 40 et vous voyez, il y avait beaucoup de chaussures et c'est quand même des jolies modèles, c'est pas des choses qui sont très moches. Après je pense que ça va partir très vite. Donc je vous conseille vivement d'aller faire un tour. En tout cas moi je les adore et j'irai d'autant plus souvent maintenant à New Look. J'y allais pas tant que ça avant, ça m'attirait pas plus que ça. Et puis en fait la boutique elle est vraiment géniale. Donc voilà, je viens de découvrir New Look, c'est la grande nouvelle du jour. On reste dans les soldes, donc en fait, bon, les chaussures sont dégueulasses parce qu'en fait, je les ai achetées il y a 2 semaines, mais comment vous dire que je les ai mis presque tous les jours. Donc en fait, je suis allée chez Degriffstock et donc Degriffstock, c'est un magasin qui solde en fait des produits de grandes marques. Et là, ils faisaient moins 20% en plus sur les chaussures. Comment vous dire que là-bas, il y avait des tropéziennes, je venais de casser, comme vous voulez. Casser mes spartiates, donc du coup il m'en fallait absolument une paire noire pour cet été. Et voilà, j'ai craqué pour celle-là, donc elles sont vraiment trop jolies. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, en fait il y a plusieurs lanières devant. Voilà, et elles sont trop confortables. Du coup je les ai payées 40 euros au lieu de 35 euros, je les ai payées au lieu de 55. Donc c'est à dire qu'en fait il y a déjà une remise chez Degriffstock de moins 10 euros je crois. Et du coup avec les moins 20% j'ai re-eu moins 10 euros. Ce qui fait que je les ai payés 35 euros au lieu de 55, sachant que c'est du cuir. C'est de la très bonne qualité. Par contre elles marquent un peu vite, hein, vous voyez, 2 semaines. C'est à dire que je les ai mis mais j'y fais très attention pour autant. Mais à chaque fois ça marque très vite. Voilà. Mais je les adore. Si vous voulez des tropéziennes pas chères, foncez chez Degriffstock, ça vaut vraiment le coup. Ensuite je passais chez Undies. Je sais pas si vous connaissez Undies.lol, je pense, bon, ne sait-on jamais, tout est à moins 50%. Voilà, c'est le moment de refaire vos stocks. Donc j'ai pas pris énormément de choses, mais je pense que je vais y retourner. Donc j'ai pris une culotte rouge. Voilà, hop, avec un petit nœud. Donc je m'attarde pas trop sur les bas. Ce qui m'intéresse surtout de vous montrer, c'est le haut. Donc en fait, donc moins 50%, hein, les deux. Et en fait, ce que je trouvais super beau sur, voilà, sur le soutien-gorge, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait des petites dentelles en fait qui se dégagent en dessous de la poitrine. Et vraiment, je trouve ça très beau. Et donc, il fallait en profiter. C'est-à-dire que donc le soutien-gorge à la base était à 17 euros et la culotte à 8 euros. Et dites-vous que pour l'ensemble, du coup, j'en ai eu pour 12,80 €. Quelque chose comme ça. Donc, en gros, j'en ai eu pour un bas et un haut, moins cher que pour le soutif tout seul à la base. Donc voilà, je pense que je vais retourner pour faire des stocks de sous-vêtements parce que ça vaut terriblement le coup. Encore une paire de chaussures. Bon, là vous m'excuserez, je les ai achetées il y a un mois à peu près, mais je me suis dit que c'était quand même le moment de vous les incruster dans un haul. Alors, en fait, pour mon anniversaire et pour me féliciter moi-même, oui, d'avoir eu ma première année, j'ai décidé de m'acheter une paire de chaussures. Ça faisait un moment que je louchais sur les Puma Suede Earth en rose, parce que j'ai pas de chaussures roses et que je les trouvais trop belles. Un espèce d'effet luisant comme ça, vinyle, je crois que c'est vinyle. Je les adore, elles sont très confortables. Le seul petit souci, je trouve, c'est qu'elles taillent assez grandes, donc je suis un peu deg. J'hésite à les renvoyer, puis je l'ai pas fait, mais bon. Pas très grave, elles me vont quand même bien, mais voilà, elles taillent un petit peu grand, mais voilà, je les adore. Donc moi je les ai achetées sur Zalando et j'avais profité d'un moins 25%, il me semble, ce qui fait qu'au lieu de 90 euros elles étaient tombées à 75 euros. Et ensuite par dessus j'avais un bon cadeau de 30 euros, ce qui fait que du coup je les ai payé 45 euros.
Voilà, je viens de vous raconter ma vie. On est content, mais elles sont trop belles, je les adore. Et voilà, donc allez faire un tour chez Zalando, elles seront sûrement soldées. Voilà. Ensuite, dernier achat qui n'est pas du tout solde. Voilà, comme d'habitude, je craque sur une nouvelle collection. Comme tout le monde, je pense. Donc, c'est cette combinaison. Donc, c'est les seuls. Ah, c'est le seul vêtement que j'ai. Ouais. Donc, c'est le seul vêtement que j'ai. Donc, c'est une petite combinaison de chez Stradivarius. Donc, je l'ai déjà portée. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Donc, en fait, c'est une combinaison short avec les motifs bleus. Moi, je trouve ça magnifique ce bleu là. Et donc, avec les petites fleurs orange-rouge dessus là. Je trouve que c'était très très joli. Voilà, à manches longues. Donc ça, je me dis que franchement, mes soirées d'été, c'est ce que j'ai déjà fait. Je l'ai porté pour des soirées d'été, c'est top. Et avec un grand décolleté. Donc moi, c'est un peu trop décolleté pour moi. Ce qui fait que je mets juste une petite épingle en fait. Un poil plus haut pour pas qu'on voit non plus tout mon sous-accord. Je sais pas, très jolie non plus. Mais je l'adore, elle est vraiment trop trop belle. Et je vais les payer 20€. Donc pour 20€, je me dis que ça c'était largement... Non, c'est pas beau ça. Je me suis dit plutôt que c'était vraiment pas très cher pour une combi. Et donc j'ai foncé parce que je l'adorais. Et je l'ai trouvé très très belle. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Donc j'ai pas acheté mille et une choses. Mais c'était des choses qui étaient quand même vachement réfléchies entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des choses dont j'avais vraiment besoin. Je vous conseille vivement d'aller faire les soldes cette année et très rapidement parce qu'il y a vraiment... beaucoup de pépites, je trouve, par rapport aux années précédentes. Je commençais de plus en plus à être déçue par les soldes. Et je trouve vraiment que cette année, en tout cas cet été là, ça vaut le coup de fou. Donc n'hésitez pas, chez Bershka aussi, voilà, c'est ça qu'il fallait que je dise. Chez Bershka, il y avait des promos de folie. Folie, folie, folie. Foncez. Moi je me suis dit, je suis rentrée, je suis allée à la porte pour chercher mes chaussures. J'ai rien trouvé. Et mes yeux m'ont quand même regardé, mais c'était un truc de fou. Je suis sortie parce que j'avais pas besoin de vêtements, je n'ai pas besoin de vêtements. Mais. Franchement, les jeans, tous leurs jeans à 13€, les joggings à 10€, presque tous leurs hauts, tous leurs body qui sont soldés, enfin, truc de fou. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire vous, où est-ce que vous êtes allé faire des achats. Et puis voilà, dites-moi vos bons plans, j'ai encore un peu de sous, donc voilà voilà. Hein. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime si vous avez aimé, à vous abonner pour voir plus de vidéos. Je vous fais des gros bisous, ciao.